All right, let's get going with fight number 7. And first, fighting out of the red corner. This fighter is French with a professional record of 3 wins and 1 loss. He is 28 years old, weighs in at 70 kilos, fighting out of Obi Fight, and he is the Taekwondo world champion. Give it up for Yacine Bellage. And now introducing his opponent, fighting out of the blue corner. This man is a Brazilian fighter with a professional record of 2 wins and 1 loss. He is 25 years old, weighing in at 70 kilos, fighting out of Cortinas MMA, Lucas Guidelli! Listen to my instructions all the time, all right? You know the rules. Touch gloves, back to your corner. Et voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Bellage, coin rouge, Guidelli, coin bleu. Coup de pied d'arrêt sur la cuisse de la part de Guidelli. Ouais. Ah, une belle Bellage, droite, tu passes avec la droite. Très très proche, hein, très proche Guidelli, qui a aucun souci avec, avec le striking. On voit vraiment son attitude très en confiance. Oh, le high kick. Ah super, ah, super. Ouais. Ah, ce combat est vraiment intéressant. Comme je dis, deux styles complètement différents. Ah, il a glissé Guidelli. Oh, le genou, magnifique. Oh, il a vite enchaîné. Vraiment un super bon style, ce garçon. On a vraiment deux combattants très très sérieux, très appliqués, très techniques. Il vient toujours chasser. Hein. Ah, c'était pas à le faire, mais c'est passé à côté. Frankie. Ah, excellent. Il varie bien ses coups. Il varie bien ses coups. C'était beau ça. Il est très très fort avec sa droite, avec son bras arrière. Yacine Bellage. Backfist. C'était un petit peu loin. Je pense que Guidelli, il faut qu'il fasse un peu attention avec, avec la distance. Parce que il est très près. Hein. Ça sent le chaos. Ce mais il est très en confiance également, hein, sur ses distances. À la droite encore hein, de Bellage. Ah ouais, il fait jouer son taekwondo là, avec les coups de pied en pivot. Ah, il travaille bien avec son espace, il gagne bien son espace, il a une bonne distance, il a une bonne distance de frappe. Ah, coup de pied de face. Attention le genou. Ah ouais, bien défendu. On sent un Bellage qui veut partir avec sa droite. Oh, ça, ça aurait pu surprendre ce backfist pivotant. Ah, en tout cas, pour moi, c'est un des combats plus intéressants jusqu'à maintenant. Oh, il a touché. Il a touché avec sa droite. Il a touché avec sa droite. Oh, le coup de pied retourné. Ah bah, il sent qu'il a fait des dégâts. Ah, il a il met touché. La pression, le high kick. Il a touché. Et la droite derrière. Bah, attention, hein, parce que Guidelli n'a pas dit son dernier mot.
On lui percute et le crochet derrière. C'est bien fait de la part de Belage, hein, qui a vraiment pris l'ascendant sur son adversaire. Même si Guidé est toujours là. Il a réussi à revenir. Hein, il a réussi à revenir. Là, il semble avoir récupéré. Hein. Ah, bon middle kick. Ah, il travaille super bien avec la distance. C'est excellent de voir ça. Yacine, niveau distance, il est super. C'est beau, c'est super beau à voir la distance. Il travaille bien avec son espace. Ouais, low kick. Et il semble avoir un petit peu anesthésié Guidelli, hein, parce qu'il était un peu plus... Un peu plus offensif là tout à l'heure, et là il est plus en attente. Hein. Il est... Peut-être qu'il laisse filer son round tranquillement pour récupérer. Ouais, ce round arrive à la fin à 10 secondes. Ouais, coup de pied retourné. Ah, c'était bon. Ouais, très très belle première reprise. C'est hein. Super, super. Dominé par Yacine Belhadj. Super, super. Vraiment super combat. Et Guidelli qui montre une très très bonne attitude. Hein. Écoute, il est toujours, même dans la difficulté, oui, hein, il est quand même là, il est présent. Là, il est on là, le sent quand même toujours dangereux. Là, dangereux, toujours un bon. Je pense qu'il a une bonne mentale. Le mental, il est tout super, à fait, il complètement. Est vraiment, il est bien dedans, il est dans le combat. Même s'il arrive à se faire un peu. Un peu malmené, mais il est là. Combat, ouais. Il reste dans le combat. On le sent pas en dessous, il est toujours présent, exact, toujours ouais. Menaçant. Et Belhadj qui va continuer sur son avancée. Ouais, et ça, comme on avait dit un peu, ça reste toujours un bon combat. Et en termes de d'endurance, hein, on les sent pas essouffler plus que ça. Hein. Non, 10 secondes. Ils viennent faire 5 minutes. Et, regardez le body language, les attitudes, les regards. Belhadj, on dirait qu'il va commencer. Alors que c'est déjà passé 5 minutes. Exact. Oh, ça glisse. Ah, ça, c'est les affiches là au sol. Ouais, c'est la deuxième fois que je vois quelqu'un glisser sur ces affiches. Ça fait la quatrième fois si je me trompe pas. Ah ouais, j'en ai vu deux. Ouais, ça glisse un petit peu. Faut faire attention à ses appuis. Ouais, magnifique. Ah, il fait ça super bien. Ah ouais, il a bien décalé là hein, sur le coup de Guidelli, Belhadj. Ah, encore une fois, et la droite encore hein, qui trouve sa cible. Encore une fois, c'est droite, ouais. Je vous cache pas que je suis très très fan de ces combattants qui arrivent à trouver leur space, la distance, qu'ils arrivent à bien à travailler en distance, qu'ils arrivent bien pas à perdre. Les repères par rapport à leur adversaire. Oh, il est touché. Ah, ça va être compliqué. Il ne lâche pas. Il lui met la pression. Oh, ça va être très très compliqué pour Lucas Guidelli. Ouais, c'est ça. Là, on voit qu'il a été touché parce que c'est lui qui va chercher le double leg. Alors qu'il n'était pas du tout bien placé. Il va laisser se relever. Oh, ça va être dur pour Lucas Guidelli qui reste là, hein, qui est toujours là. Sacré guerrier. Oh, il a encore été touché avec ta droite. Oh, ça va être compliqué. Ouais, c'est terminé. Quel combat de Yacine Belhadj. Quel combat, quelle démonstration. Très fort, c'est Yacine Belhadj. Très fort, vraiment. Très fort, voilà. Combattant très solide. Lui, on le reverra, c'est sûr.
Il a que 4 combats, hein. Il a que 4 combats, c'était 150 combats. Il a fait un magnifique combat. Et retenez son nom, Yacine Bellaj, on le reverra dans les grandes organisations, ça c'est sûr. Européenne bien sûr, telle que le SHC, mais également outre-Atlantique. Et on va féliciter également hein, Lucas Guidelli. Ah oui, super. Ladies and gentlemen, and the winner by knockout in the second round, Yacine Bellaj.